According to man's deeds, he repay him. According to a man's way, he bring consequences. Oh, yeah, 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 yeah. It's a serious matter. C'est sérieux. It's a serious matter. C'est sérieux. Selon notre travail, shall the consequences be given? Les conséquences nous seront données. You cannot do bad and God will repay back. Repay with good. It's not possible. Vous n'avez pas fait du mal et Dieu vous récompense, non? You cannot sin and God will repay back in righteousness. It's not possible. Vous ne pouvez pas pécher et que Dieu vous récompense justement. In the life we live here, et la vie que nous vivons sur terre, that will determine where our rest will be. Ça va déterminer où notre repos sera. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. There is no rest in hell. Il n'y a pas de repos en enfer. So what do we do? Qu'est-ce que nous allons faire? We must get ourselves ready. Nous devons être prêts for that payday. Pour ce jour du salaire. When you work for a company, lorsque vous travaillez dans une société, the contract is signed. Le contrat est signé. At the end of the month, à la fin du mois, according to the contract you have signed, selon le contrat que vous avez and signé, according to your work, et selon votre travail, they will pay you. On doit vous payer. If man is wise enough, si l'homme est to pay you like that, de vous payer comme so ça. God himself. Dieu lui-même also going to pay you. Dieu lui-même va vous payer. According to the contract you signed with him. Comparément au contrat que vous avez signé. And according to the life you live in that contract. Comparément à la vie que vous avez vue. The Bible says in Matthew chapter 16. La Bible dit dans Matthieu 16 verset 27. Verse 27. For the Son of Man will come in his Father's glory with his angels, and then he will pay each one according to what he had done. This is the word of the Lord himself. Ça, c'est la parole du Seigneur lui-même. This is not an apostle speaking. Ce n'est pas l'apôtre qui est en train de parler. Maybe say it was just a vision. Il a dit, oh, ça peut-être c'est une vision. But this is the giver of vision himself. Ça, c'est le donateur de la vision lui-même. Christ himself. Le Christ lui-même. He said he will come. Il a dit, il va venir. With his angels. Avec ses anges. And he will pay every one of us. Il va payer chacun d'entre nous. According to what we have done. Par rapport à ce qu'ils ont fait. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? That Christ will pay you for. Pour que Christ vous paye pour ça. If you have done evil. Si vous avez fait, vous avez commis des péchés. He will pay you with evil. Il va vous payer par le péché. If you have done the good things. Si vous avez fait les bonnes choses. If you have lived a holy life. Si vous avez vécu une vie sainte. A holy payment will be given to you. Oh, un salaire saint vous serait donné. It's a just God. C'est un Dieu juste. Is a holy God. C'est un Dieu saint. The Bible says in the book of Acts chapter number 10. La Bible dit dans Actes verse chapter 34 10, to 35. 34 à 35. Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth, I perceive he never knew this way. He never knew Christ to be so." Il n'a jamais su que le Christ était comme ça. He just no when Christ came, they thought he just selected them. Peter come, but they become. He thought maybe because they are Israel, because of what he was tribalistic, he was a tribalistic man. Il croyait que Christ n'était sélectionné pour rien. Il croyait qu'il était tribal. Now he's
is now open. Mais ses yeux sont ouverts maintenant. I perceive. Je perçois. That God is not a respecter of persons. Que Dieu ne respecte pas la personne. God does not care how much you have your account. Il n'a pas besoin de savoir comment votre compte est rempli. After death, the money is useless. Après la mort, l'argent est sans effet. God does not care if you're a president. Dieu s'en fout si vous êtes président. After death, your presidency is useless. Après la mort, votre you will become as nothing as that slave that was sweeping your house. Vous serez zéro comme cet esclave qui balayait if votre maison. If a president died now, si un président meurt maintenant, and a slave died now, et un esclave meurt, two of them shall come before God. Les deux viendront devant le Seigneur. Equally. Équitablement. But see what you guarantee me and you. Mais voilà ce qui va garantir à vous et moi. Heaven on the last day. Qui va garantir le dernier, ce dernier jour. He said, but in every nation. Mais dans toute nation. In every family, I paraphrase. Dans toute famille. In every ministry. Dans tout ministère. In every home. Dans toute maison. He that feareth him. Celui qui a peur de lui. He that feareth God. Celui qui a peur du Seigneur. He that trembled before God. Celui qui tremble devant le Seigneur. He or she that did do everything. Celui ou elle qui a fait n'importe quoi. To make sure they live the right life. Fait en sorte qu'ils vivent la vraie vie. He or celui she ou elle that did everything. Qui a fait tout. To make sure their salvation. De faire en sorte que le salut is being secure. Est sécurisé. In fear and trembling. Dans la peur et dans le tremblement. And walk in righteousness. La Bible dit, et marcher dans la justice. Is accepted of him. Est acceptable par lui. Are we walking in righteousness? Est-ce que nous marchons dans la justice? If no. Sinon. You and I will not be accepted. Though. Vous et moi ne serons pas acceptés. Oh. Are we doing whatever we are doing in sin? Est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? No matter how you are doing it. Peu importe la manière dont vous if le faites. It's not in righteousness. Si ce n'est pas dans la justice. I tell you the truth. Si vous dites la vérité. You and I will not be accepted. Nous et moi ne serons pas acceptés. And God is a just God. Et Dieu est un Dieu juste. And there's another man there. Et il y a un autre homme là. Who is also holding book. Qui arrête un qui prend the man is called devil. Il s'appelle le diable. If maybe God will show you mercy. Peut-être Dieu va vous donner la miséricorde. He will throw the book on the ground, bazaï. Il va jeter ce and livre. And your page will be open. Et votre page sera ouverte. Righteous man. Il a dit, homme juste. Do you see this? Vous avez vu ceci? You say you respect your word more than your name. Ça veut dire que vous respectez votre travail plus que. Can you see it? Est-ce que vous voyez ça? See how he lived against your word. Vous voyez comment vous vivez contrairement à sa parole. And the Lord say, well. Et le Seigneur dira. Of a truth. Oui, c'est ta vérité. My word is binding. Not my parole. It has been open before you. C'est ouvert devant you. You are given every opportunity. To make your way right. De faire votre travail juste. But you think you thought you were so important. Vous croyez que vous êtes tellement important. You thought you were so rich. Vous croyez que vous êtes trop riche. You thought you were so whatever. Vous croyez que vous êtes trop riche. And today, et aujourd'hui, you can see. Vous pouvez voir that you are doing send yourself to hell. Que c'est vous-même qui allez that will not be my portion. Ceci serait pas ma portion. And that will not be your portion. And for this not to be our portion. Et pour que ça ne soit pas notre part. We better edit our lifestyle. Nous devons rééditer notre système, notre manière. We better withdraw ourselves. Nous devons nous retirer. Sit there. Nous devons asseoir. And ask myself. Et nous poser la question. With this life I am living now. Avec cette vie que je vis maintenant. Justify me on that day. Oh. Justifie-moi ce jour-là. And I have come to understand more. Et je suis venu comprendre encore plus. With what happened yesterday. Avec tout ce qui s'est passé hier. Demons know the all the things we are doing. Le démon connaît tout ce que nous faisons. We cannot hide it from man. Nous ne pouvons pas nous cacher. But they see everything. Ils voient tout. No wonder when Christ was on earth. Je m'en dis comment they knew almost everything about him. Ils savaient tout. What his followers don't know. Tout ce que ses partisans ne savaient pas. They knew it. Il le savait. They see what you are doing. Il voit ce que vous that faites. I am not seeing. Moi, je ne vois pas. They know how you are carrying phone and calling up at them. Ils savent comment vous prenez. Try to scatter people. They are seeing it. They are seeing it. Ils le voient. And they are exposing you. Ils vous exposent. And if you don't confess a change, si vous ne confessez pas, on that day they will mock you. Ce jour-là, ils vont se moquer de vous. On that day, they will make jest of you. Ce jour, ils vont se moquer de vous. So you better tell that phone and don't send it to her. Donc vous devez
à cette that vie, life you are living, cette vie que vous êtes en train de vivre, thinking that nobody knows, pensant que personne ne connaît. Demons, you are saying, I bind you, I bind you, I bind you. Les démons que vous détruisez là. Their eyes are open to see. Ils sont ouverts pour voir tout ce que vous faites. Since you think nobody knows, vous croyez que personne ne sait ce que vous faites. You might say, I am holy. Vous dites, ah, je suis saint. I am with the Lord. Ah, je suis avec le Seigneur. When they open your page for you, that's why I told us yesterday, this morning, pray that whatever page that has not been open for you, that page that has passed, cette page that you think is over, que vous pensez que c'est and fini. That it has not been wiped off, ça n'a pas été nettoyé. You better pray, God, please open that page. Prier que Seigneur, and do something about it. Ouvre-moi cette page. If at the end of the journey, si à la fin de du voyage, demons open it for you, les démons ouvrent cela pour vous, you are doomed. Vous êtes you are doomed. Vous êtes fini. Myself and the ministers, I have to call them. Go! Moi-même et ministres, je dois appeler. Our ears was open. Nos oreilles étaient ouvertes. Some of us, the word that was said about, was confirmed. Ce qu'on a envoyé était en train de confirmer. So please, I am here to warn you and warn myself. Je suis là pour vous donner des conseils. The Holy Spirit is seeing everything. Comme l'Esprit Saint est en train de voir n'importe quoi. So all those demons are seeing things that you are doing that I'm doing. Tous les démons voient tout ce que vous faites. We better be careful. Nous devons être prudents, so that we will not be mocked at the end of the journey. Nous ne devons pas être moqués à la fin du voyage. I pray God will help me. Je prie que Dieu nous aide. And help you. Et vous aide aussi. Help us. Qui nous aide. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. A day is coming. Un jour viendra où. We are all the same now. Nous serons tous. Nous sommes égaux maintenant. Just as people we enrolled into school. Comme nous étions à l'école. 100 level we come. On était à un niveau que nous étions nous en niveau. Oh, your carryover, you go to the level, nobody cares. Vous allez au niveau supérieur, personne, on s'en fout, on s'en foutait. Oh, then we go to the level with all your carryover, you also go. Celui qui était au niveau 3 par terre. You are NFA, non future ambitious student, NFAS. Oh, c'est un slogan qui dit qu'il n'y a aucun future ambitious student. Aucune ambition future pour toi. You have not gone to America before. Tu n'es jamais allé aux États-Unis avant. You came from a village. Vous sortez d'un village. I say, what's up, man? Vous commencez à dire, oh, hey, what's up? This nigga at the end, we shall see. Celui qui est en train de baptiser comme ça, à la fin, on verra. We shall see. À la fin, on verra. From the village, you came to school. À partir du village, vous êtes venu à l'école. So, there are some of my people who came from the village together. Donc, j'ai vu certains de mes gens qui ont été au village ensemble. They say, primary school, we attended. La même école primaire, nous avons. Nous étions à la même école primaire. Il s'est commercial school attended. La même école commerciale. Yeah, is this what's up now coming from? Pourquoi est-ce que ce changement de langage? Yeah, is man now coming from? Comment est-ce que ce langage qui dit, hey, mon frère. At the end of everything. À la fin de toutes choses. Some of them now, they are still looking for what to do. Certains gens sont en train de chercher ce qu'ils doivent faire. No certificate. Aucun certificat. No result. Aucun résultat. So it shall be on that day. Ça, c'est comme ça sera ce jour. We all are the same now. Nous sommes tous égaux maintenant. We all are Christians. Nous sommes tous des chrétiens. We all are born again. Nous sommes tous nés de nouveau. Give yourself any name you want to be. Donnez-vous un nom que vous you voulez. You can even give yourself bishop. Vous pouvez même dire que vous êtes. You can say now, Apostle Manuel, you must call me Dickness. I'll say, hey, you are Dickness. Okay, be Dickness yourself there. Vous pouvez même donner, le nom d'apôtre. Prêtre ou des noms supérieurs que vous pouvez penser. Apôtre Manuel. Oh, Apôtre Emmanuel. Call me Wally. Appelle-moi. Remember, I told you one thing because that I am not the Wally of the church. Oh, Apôtre a fait cela. I will tell you, go and Wally before your husband, not because okay, before the ministry. Okay, va faire cela devant ton épouse, pas devant ce ministère. At the end of the journey. À la fin du voyage. The Bible says. La Bible dit. There shall be a separation. Il doit avoir une séparation. There will be judgment of separation. Il doit avoir une séparation. He said in Matthew 25 and 38. All the nation will be gathered before him. And Matthew 25 verse 38. And he will separate the people one from another. Oh. And a shepherd separates sheep from the goats. What will you be on that day? Où est-ce que vous serez ce jour-là? Goat or sheep? Vous serez des brebis. Where will I go be on that day? Où est-ce que vous serez ce jour-là? Goat or sheep.
Vous serez la chèvre ou la brebis. We are all ministers now. Nous sommes tous des ministres maintenant. We are all pastors now. Nous sommes tous des pasteurs maintenant. We are all choristers now. Nous sommes tous des choristes. On that day, ce jour-là, son choristers, go this way. On dira à certains choristes, so allez à gauche. C'était aller à droite. It's you that will determine where you will go. Et c'est vous qui allez déterminer où vous serez, où vous voulez aller. My conduct. Ma conduite. Your conduct. Votre conduite. Will determine. Va déterminer. Where we shall go. Où est-ce que nous allons? Are you among them? Est-ce que vous êtes parmi ces gens? Who cause confusion? Qui va mettre la confusion? If that is the contract you have signed with your master. Si c'est le contrat que vous avez signé avec votre maître. No problem. Pas de problème. You will give account of it. Vous donnerez des comptes. Are you in the ministry? Est-ce que vous êtes dans le ministère? To cause problem between the ministers. De mettre de mettre la zizanie entre les ministères. It will reveal. You will give account of them. Ça va être révélé, vous donnerez des comptes. But I counsel you. Mais je vous conseille. To repent. De vous repentir. Because the Lord has no pleasure in the death of a sinner. Parce que le Seigneur n'a pas de plaisir. He died for me to make heaven. C'est pour le faire l'éternel. Christ died for you to make heaven. Le Christ est mort pour nous, que nous puissions aller au ciel. He did not die for us to go to hell. Il n'est pas mort pour nous pour que nous allions en enfer. He had no pleasure in me after all the shouting going to hell. Il n'a pas de plaisir pour que nous allions en enfer. He had no pleasure in you after all this night vigil and all going to hell. Il n'a pas de plaisir qu'après cette. So please, I am begging myself and I'm begging you. Je vous en supplie. Let us reconsider our ways. Considérons notre chemin. And let us make amendments. Et faisons les amendements, changeons un peu. Where necessary. Où c'est nécessaire. If you are to withdraw from some people, si vous devez vous retirer de ces that will send you to hell, please do it. En enfer, faites-le. If you whatever change you need to change, please do it. Peu importe le changement que vous voulez faire maintenant, faites-le. Nothing is too much to do to make hell. Rien n'est plus facile. Sit down. De faire le ténèbre. Sit down. Ask yourself. Asseyez-vous et posez-vous la question. This thing might send to hell. Ceci peut m'envoyer en enfer. If I'm not careful, this person might send me to hell. Si je suis pas prudent, cette personne peut m'envoyer en enfer. If it's to withdraw. Si c'est pour vous retirer, faites-le. So that you will not go to that person. Si bien que vous n'ayez pas en enfer à travers cette personne. If it's my character, your character. Si c'est mon caractère, let us withdraw from that character. Retirons-nous de ce caractère. So that at the end of our journey. Si bien qu'à la fin du voyage, we'll not be called, you are a goat. Nous, on va pas vous dire que vous êtes the Lord chef. Is coming for the sheep. Le Seigneur vient pour les brebis. Not a goat. Pas pour les chefs. God help me, I help you. Dieu va vous aider, vous et nous aider aussi. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Gathering wrath, anger of God against us. Peu importe si nous accumulons la colère. According to Romans chapter 2 verse 5. Quand vous lisez dans Romains. Let us repent now. Repentons-nous maintenant. Dans Romains 2, verset 5. Any sin we commit, tout péché que nous commettons, drag the wrath of God to us. Tout péché que nous commettons attire la colère de Dieu en nous. Let us repent. Repentons-nous. A day is coming. Le jour viendra où? When the Lord will judge the doings of all men. Le Seigneur jugera tous les bienfaits. By our Lord and Savior Jesus Christ. Nous prions du Seigneur Jésus-Christ. According to Romans chapter 2, verse 16. Romains chapitre 2, verset 16. Let us make our way right. Faisons notre chemin juste. Let us be careful. Soyons prudents. The Bible says. La Bible dit. We all shall give account of ourselves. Nous tous nous aurons des comptes rendus. Before God on that day. Devant Dieu ce jour-là. According to Romans 14, verse 12. Romains 14, verset 12. Let us change. Changeons. From any lifestyle. Pour tout pour notre système that will make God say, get out, I don't know you. Qui fera en sorte que Dieu dira, dégage, je te connais pas. Matthieu 7, 21-23. Matthieu 7. Matthieu 7, 21-23. Matthieu 7, verset 22-23. And since we know, si bien que nous savons, that our rewarder, que notre récompense, will reward us all, celui qui nous récompense, according to our works, tous, par rapport à notre travail, let us do everything. Faisons tout. To make sure that the work we are doing. Faire en sorte que le travail que nous faisons. It will shake your eye. Il va secouer notre main. And say, welcome, my faithful servant. Pour nous dire, merci, mon servant, bienvenue. This is your portion in heaven. Ça, c'est votre portion. Ça, c'est votre partie au ciel. According to Ephesians 6, verse 8. Dans Ephésiens, chapitre 6, verset 8. And let us be careful.
soyons prudents. Since we all know, parce que nous tous nous savions que, so long we are in this earth, si bien que nous sommes sur cette terre, we must come out of this earth one day. Nous devions sortir de sur cette terre un jour. Since we all know, it's an appointed. Si nous savions que c'est it's appointed unto everyone. Ça a été dit par tout un chacun. To live one life. De vivre une seule vie. And after the judgment. Et après ça, ce sera le jugement. Let us live that life in holiness. Vivons cette vie. According to Hebrews chapter 9, verse 27. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27. If you die in wherever you are right now, God forbid. Si vous mourrez n'importe où vous êtes, que Dieu me pardonne. Pour whatever ça. You have in your country is useless before you. Tout ce que vous avez dans votre pays est sans utile, sans importance pour vous. So therefore, donc, let us take our eyes away from the things we have. Ôtons les yeux sur tout ce que nous avons. And see the things which are up there. Et mettons nos focalisons nos yeux sur tout ce qui est sur ce qui est en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Chapitre 3, verset 1 à 3. What am I trying to say? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Let us arrange our fights very well. Essayons d'arranger nos dossiers. The account, let us balance it very well. Notre bienfait, notre compte, essayons de balancer cela. So that it will be justifiable on that day. Si bien que ça serait bien justifié ce jour-là. Our reward now. Notre rédemption. Our reward is coming. Our reward now. Our reward is coming. Our reward now. Our reward is coming. Our reward is coming. Our reward is coming. Oh God, our reward is. Our reward is coming. Oh God, our Our reward is coming. I want us to pray. Je veux que nous prions. I say, Father, disons Père, look at my past by. Regarde mon dossier. Look at my file again. Regarde encore dans mon dossier. Check my file. Vérifie mon dossier. In all those books that will be open. Pour tous ces livres qui seront ouverts. Is there anything that is written against my soul there? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit contre mon âme? That will throw me into a mockery before demons on that day. Qui va me rendre moqueur? Please, I am begging you. S'il vous plaît, Seigneur. Have mercy upon me. Aie miséricorde pour moi. Wash it away. Nettoie cela. And give me the grace of a brand new life in holiness today. Donne-moi la vie. Pray this one prayer meilleur. And that will be okay. Amen. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Heavenly Father, the King of Kings, the Lord of all, Baba, Father, Lord, I present my file unto you, Baba. Father, come and search my file that all the sins are committed in the past, Lord. Father, please let your presence, Lord, that you watch them, oh God, Baba. Father, please, in your mercy, I beg of you, come and open a new file for me to. Today, that new path of holiness and true righteousness, whatsoever the devil knows so much about me, whatsoever error that I've committed in the past, oh God, that did have mercy upon my soul, that did I beg of you. This one, open a new path for me today. That new path of holiness and true righteousness, oh, that did come and open it for me today in the mighty name of Jesus. Let your precious blood that you wash me. Let your precious blood that you wash me. Whatsoever the devil, Baba, Father, Lord, has to record, Baba, for me. Use it to hold on to me, Baba, whatsoever that I've done in the past, oh God. Father, please have mercy upon my soul. Mercy upon my soul, I beg of you. Please come and open a new path for me. That new path in holiness and I'm not going to be able to do that.
Amen. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Opportunity God has given me today. Opportunity que Dieu m'a donné ce jour. And I'm giving to reconsider our ways. Et je pour reconsidérer mon chemin. Our way right with Him. Et faire notre chemin juste devant lui. We'll not be taken for granted. Ça ne sera pas pris à la légère. Will not be used against us on that day. Ne sera pas utilisé contre nous. In the name of Jesus Christ. Seigneur Jésus. I pray the grace for me and you to go and start living. Je prie que la grâce qui nous est donnée à vous et moi. A life that will be justified before the Holy God on that day. Qui sera justifié devant l'Esprit Saint. Be released upon me. Soit relâché au nom puissant. And upon you in the name of Jesus Christ. Seigneur Jésus. Amen. Wherever the devil and you have been making mockery of me and you. Je prie que où est-ce que le diable vous se moque, vous êtes moqué. We thinking we are right before God. Et qui pense que nous ne sommes pas juste devant Dieu. May God have mercy upon us. Que Dieu aime. Wipe these fight, those fights away. Nettoie. And help us to live the life that will put Satan and the demon to shame in our life on the last day in the name of Jesus Christ. Amen. Are you there? You are born again. Please, why don't you run to God now? Pourquoi ne pouvez-vous pas revenir vers Dieu? Give your life a meaning today. Donnez votre vie. The hands of the Lord Jesus Christ is open wide to receive you. La main du Seigneur Dieu est ouverte pour vous recevoir. I don't care to know how you came. Je cherche pas à savoir comment vous êtes venu. The worst time you were coming. Vous étiez un péché lorsque vous êtes venu. It doesn't matter again. Peu importe maintenant. But what matters is how you go back again. Mais tout ce qui est important, c'est comment vous allez rentrer. Please repent of your sin and give your life to the Lord Jesus Christ. Repentez, donnez votre vie à Jésus. Let it become the Lord of your life. Qui devient le Seigneur de votre vie. And if you have done that, et si vous l'avez fait, I thank God for your life. Je dis merci pour votre vie. It's for your own good. C'est pour votre bien. And if there is any of us here that have also backslided, et s'il y a quelqu'un d'entre nous qui s'est retrouvé, one way or the other, pour une raison ou pour please autre, let's do everything to return back to the Lord now. Faites tout pour revenir au Seigneur. Our own, that one is even the worst. Celui-ci est même plus pire. Go ahead, may I help you in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous aide, vous aime. Amen. Et celui-ci d'entre nous qui vient d'être né de nouveau. And those who have been born again, but you are not yet baptized. Et qui sont nés de vous, mais qui n'ont pas été baptisés. Please, I want to get baptized. S'il vous plaît, je veux vous faire baptiser. Very, very important. C'est très important. And please, I want to contact any of the pastors, ministers, and the apostles. This please contact it. Peu importe, contactez un pasteur et un ministre dans cette montagne. And the Lord will use us to baptize you. Et le Seigneur va le dire pour vous bénir. I give you a godly counsel where necessary. Et vous donner un conseil divin. Amen. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Father, we thank you. So merci, nous t'adorons. Thank you as a father you have spoken to the children. Nous te disons en tant que père qui a parlé à ses enfants. As our shepherd and bishop you have spoken to us this morning. Et comme notre brebis et notre faute, nous a parlé ce matin. After over here. Cet après-midi. Lord, your word have come to some people as a sword. Seigneur, ta parole est venue à d'autres comme un épée. They have come to some as a hammer. C'est venu comme un marteau. And they have come to some as water. Et c'est venu pour certains comme de l'eau. Lord, I ask, O God. Seigneur, je te demande, Seigneur. In either way, it has come to us. Peu importe la manière dont la parole nous est arrivée. Help us, O God. Aide-nous, Seigneur. To start living the life of the reason why you sent it to us, O God. De vivre la vie dont tu nous as dû envoyer. The Bible says you sent forth your word. La Bible dit tu as envoyé ta parole. And your word healed them. Et ta parole les a délivrés from all their troubles. Et la parole les a délivrés. Father, I know your word has delivered us from the trouble that was awaiting us in hell. Je sais que ta parole nous a guéris, nous a épargnés de tribulations que nous attendions en enfer. Thank you, Abba Father. Merci, Père Céleste. Lord, I bring this word to God that I don't go back to you. Pour ceux qui s'excusent, fais juste des détails. And those who have bastarded that come back to you. Et ceux qui s'étaient retrogradés sont revenus. Please help them to live the life worthy of seeing you on the last day from now on. The grace we all need to live a holy and stainless life release upon us all. Que la grâce de vivre le sein soit relâchée pour nous. In the name of Jesus Christ. Amen.
Is there any error in the message? Fou le message. Est-ce qu'il y a une erreur dans le message? Is there any mistake in the message? Est-ce qu'il y a une erreur dans le message? Father, that should be from me, not from the Holy Spirit. Seigneur, cela viendrait de moi, so non de l'Esprit Saint. So please have mercy upon me. S'il te plaît, aie miséricorde. Forgive me, O God. Pardonne-moi, Seigneur. That I will not be a symbol on the last day. Pourquoi je ne serai pas un saint? The grace and your son, the grace to go and start living according to your words from now on in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Merci, Père Céleste. Thank you, Lord. We see what's true. Amen. Tu nous aides. All this man shall be a victim of hell on the last day. Aucune âme ne serait victime. In Jesus Christ, my friend, we are to Amen. Lord, Lord God Almighty, I pray you very well. God, give me praise the Lord. Hallelujah. Praise Master Jesus Christ. Hallelujah. God bless you, the Lord Son of Most High God. We lift you before that God that I've called you, the God that I've spoken to you this morning. We ask that God Almighty to continually uphold you, continually renew his strength in you. Virtues that must have left you, God Almighty, sacred mercy. We refill you back in million folds, and the word of the season will never cease from your mouth. And at the end of your journey, his mercy and grace shall be sufficient for you and be able to open that door gate of heaven, that incorruptible crown waiting for you to receive, as well as every ship that God Almighty has brought to this mountain in the mighty name of Jesus Christ. Amen. And we pray that the word of Almighty God that He has spoken to all of us today, this word will not be called upon to repeat it on that last day. Rather, this word will be a lamp unto our feet, for none of us to stumble nor to fall by the wayside. Rather, we will all, as we have gathered this morning before His awesome presence, His mercy will gather us like this in His kingdom on that last day in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, beloved, it is offering time. Bless in life. Amen. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty.